Un dossier d'ordre. Voilà, sous les ovations du public, avec un superbe peloton multicolore qui représente de nombreuses formations, la Bretagne, la Normandie, la Mayenne. Voilà donc différents départements. C'est parti maintenant pour Val de Dur, un circuit qui développe 4 km, ce qui veut dire un total. Alors je crois que nous retrouvons le véhicule de tête, Pep.com, voilà, qui nous annonce actuellement 2, 3, 4 couleurs à l'avant. Hein. C'est vrai que le peloton va exploser littéralement avec la double chaîne qui fait 20 euros. Actuellement, c'est le... Allez Max, allez Sam, allez Nico. Voilà donc le coureur actuellement présent au pied de cette rampe, alors que nous allons en mesure de pouvoir le relancer au tour suivant, contour. Allez Max, attention. Donc un bon d'achat de 20 euros toujours à reprendre au cycle double. Voilà donc un groupe de tête. Voilà donc, je suis sûr que Marie-Claude est capable de nous prendre la proposition. Voilà donc le groupe de tête au prochain tour, 20 euros également, en fond d'achat au sponsor de Gauthier. Tranquille, tranquille. Allez Sam. Allez Max, allez. Est-ce que vous mettez ta porte, s'il fait que... Tranquille Max, tranquille. Tranquille, il voit parce que ça va être nerveux. Allez Sam. Ça arrive. Allez Sam. Allez.
20 secondes. Allez, ça m'accroche. Fédération avec Frédéric Gimont, actuellement en compagnie de Haute Touraine, pour le 6-7-7 Allez, Maxime, allez. Généralement, avec Lucas Gimont, à tout de suite de 30 km du site de finale, le peloton, la roue vienne. Alors que nous retrouvons sur la première position, l'excellent donc Cyril Moindry pour l'équipe de Blancouette. Voilà donc quelques 6 tours de l'arrivée, la situation ne change pas. Ah, c'est vrai que prochain tour également une prime en ce qui concerne la tête avec Julien donc actuellement au commandement, je veux dire tout simplement Julien Prigent. Voilà, nous retrouvons la contre-attaque. Toujours chacun veut faire travailler ses adversaires. Également un regroupement général. Ah, c'est vrai qu'il y a une forte exclusion maintenant. Nous retrouvons le peloton. Ah, c'est vrai qu'il se relaie régulièrement de façon. Oui. Voilà, c'est vrai qu'on assiste à une fin de course par élimination. Et voyez que la sélection, comme d'habitude, s'effectue de plus en plus par l'arrière. Dans ce peloton, eh bien, figure évidemment notre leader de la jeunesse sportive de l'Oise avec Sylvain Romet. Voilà, Sylvain Romet vient de se positionner en contre-attaque. Voilà, David Doyon, dans une situation également idéale. 5 tours de l'arrivée, les gars. Allez, 10 au premier. 5 tours de l'arrivée. Attention, Max, attention. De l'arrivée. Le cycle olympique de Fougères qui se rapproche également du groupe de tête. 10 au premier. 5 au second. Un petit peu moins de 20 km de l'arrivée, Max. Le temps débattu, pas forcément, puisque avec un petit peu plus de la minute, à peine la minute de retard, tout est possible. Le coureur de Melès qui est en train de se retrouver en tête de ce peloton, en train d'entamer la poursuite. Le peloton maintenant avec une quarantaine de coureurs où nous retrouvons sur les premières positions. Pour quand même solliciter de tous les départs. Voilà, nous retrouvons Pédiacom. Voilà, 25, voilà pour la tête, voilà pour le groupe de tête, concernant Pédiacom, du côté de la ligne d'arrivée, 25, pour les hommes de tête, à quelques 3 tours de l'arrivée. Attention, attention. Voilà, donc la situation par rapport au tour précédent ne change pas, en contre-attaque. Voilà donc trois coureurs en tête à l'amorce du dernier tour de circuit. Allez, je crois qu'on peut les applaudir, les gars. Ils partent pour leur dernier tour de circuit. Plus que 4 km 30.
Voilà, vous avez pris la vieux coureur. Et c'est vrai qu'il a tellement travaillé depuis le départ que là, eh bien, apparemment, à moins de 100 mètres, 80 mètres, 50 mètres, il n'y aura pas photo finish en ce qui concerne cette victoire incontestable. Voilà, donc attention, gardez bien votre ligne. Pour attention, attention pour la quatrième place. Stop. Différents coureurs qui ont terminé maintenant. Est-ce que les coureurs sont dans le bon coup? Oui, probablement. On note le 78 et le 77. Voilà les Sojasson également qui en terminent maintenant avec l'arrivée donc de Pierre Levin. Parce que voilà, c'est vrai qu'on a réussi à se débarrasser avec David Boyon. Voilà, c'est bien ce qu'il fait David qui a sorti du peloton dans les derniers kilomètres. De façon, malheureusement, je crois qu'il n'en parviendra pas. Au top 20, c'est pas grave. David Boyon, après sa victoire sur les routes de Bron, voilà, moins de 15 jours, est en train d'amplifier évidemment son avantage, sa condition physique, très très bonne en ce début de saison. Voilà, nous retrouvons un coureur qui passe la ligne d'arrivée.